C'était pas si mal, Interisland. J'y pensais au chiottes. C'était pas si mal. Ça me fume un peu, mais c'est loin d'être mauvais. Hein. Bah, les bases de haut étaient très bonnes. Hein. Le vrai problème, c'était bizarre comme dame, mais. Ah, Eltai, tiens, combien de temps? 22 minutes. Oh, flemme, je préfère monter le renom. On va continuer de monter le renom. Tac, c'est parti. Oui, non, pour une bêta fermée, c'est tout à fait clean. Hein. Pour ça, écoutez, bah merci Césaros hein, de m'avoir motivé. Et on va le. On le met dans la liste. Voilà, je le mets de côté. Et à tout moment cette semaine, on y retourne à partir du moment où c'est. C'est quoi le terme? Où c'est clean, quoi. Enfin, où on peut aller au moins sur serveur américain. Chirix, si tu es toujours là, c'était à quel niveau ton premier donjon? Et est-ce que c'était un donjon bien en mode tranquille DPS je sais pas combien, je suppose que ce soit à 5 les donjons. Ouais, les mystères comme d'hab. Ah merde, hein, je suis toujours en QWERTY, ça va pas le faire, voilà. Allez, il est temps de finir les steps arides aujourd'hui, c'est l'objectif. T'as un donjon tuto level 7, d'accord, d'accord. Ok, ça roule. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc c'est bien du classique, en bien, hein, Trinité, tanky DPS, tout ça. Genre faut jouer quoi. Pas ce que je veux dire. Il y a des jeux où en fait, les donjons, tu vas tout droit et bah les couilles quoi. Enfin. D'accord. Oui, sans être le bout du monde, voilà. Ok. Ah non, mais. On garde, hein. On garde en tête, clairement. Que moi c'est mon travail. C'est pas faux, Mindra. Si je devais conduire un camion, ça serait pas glorieux. Toi, c'est ton taf. Et à 4 ou à 5, Sherix. Et dernière question, et je t'embête plus. Tu as déjà joué au WoW ou pas, toi? Ok, on est d'accord que c'est WoW 1.5 quoi, enfin c'est... je sais pas ce que ça va donner tes donjons et tout, mais... c'est vraiment une aspiration très poussée là. Jusqu'aux races, jusqu'aux ennemis, enfin aux antagonistes, au bazar quoi. Ça continue même après le tuto, ça que je veux dire. Oui non mais inspiré c'est pas un souci, ce qu'on appelle des WoW, il y a des WoW-like tu vois, mais... Si, j'ai une question de train, Mitra, parce que moi c'est mon boulot, donc je vais. Ah, tout comme toi, tu vas réagir différemment vis-à-vis de ton boulot, moi aussi. Et bah, mon boulot aussi, c'est d'être capable de le faire, sinon je ferais pas ce taf là, tu vois. Il y a le truc, t'es en sans mouton et en loup, quoi, après, comme un carasse. Oh, putain. Ça alors, je pensais pas vous voir revenir. Ils ont même mis la. Putain, la scène de Carazan, enfin le théâtre. Ah, tout à fait. Oh, Borza, le signe, ne l'arrêtons pas. Incroyable. Aider Nizar à choisir une arme. Oh, c'est la première qui traîne. Je vise mal, Râtelier d'arc. Mais j'essaierai de ne pas vous tirer dans la rue. Allons-y. Qui se cache dans le tunnel près d'ici. Ok. Ah là là. Hop hop. Je réouvre. Ok. J'ai hâte de voir la tête de Borza. Alors, petit donjon de quête.
Et donc on est d'accord que je crois que c'est le 29 qui a Ark Raider aussi. Putain, c'est vrai que je vais avoir Wolong. Ouais. On va avoir du gros multigaming qui revient sur la chaîne en vrai. Du très très gros multigaming qui revient. Parce que Ark Raider, c'est donc un shooter PVP, PVPVE. Alors, pour le coup, oui et non, Lydra. Un hack and slash, c'est juste avec chaîne RPG. C'est comme Witcher, hein. Vraiment, hein, c'est le même principe. C'est juste de build, après, je sais pas à quel point tu joues des actions RPG, mais au niveau de construction de personnages, il y a plus de loot, mais de base, hein, les souls sont un peu issus sur le même principe. Ça reste quand même plus ou moins le même fonctionnement. Que ça soit les souls, enfin, tous les actions RPG, quoi. Mais peut-être que t'en fais pas, effectivement. Donc oui, j'ai forcément plus l'habitude, mais bon, encore une fois, je prends ça, l'air très bien sérieux, quoi. Ah, mais il est là-bas, l'autre mob. Voilà. Vive Aiskien le Rush. Alors pour le coup, Aiskien le Rush reviendra. Alors je pense pas en juin. Parce que là, j'ai essayé de tout donner pour finir le mois à fond. Pour vraiment faire un joli dernier. Enfin, il reste quelques jours en juin, donc voilà. En juillet, oui. Les premiers jours de juillet, oui. Après, on verra parce qu'on va avoir le. C'est quoi le terme ? La saison 2 de New World, quoi, donc autant dire que ça sera l'occasion de streamer du matin au soir, hein, sur la chaîne principale. Là, on est sur les très grosses sorties, donc bon. Bah ouais, saison 2 de New World, c'est un gros truc, là. C'est pour ça, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de streamer sur Aiskien le Rush, pour le coup, autant le streamer sur la chaîne principale. What ? What ? Comment ? Ah ! Il nous trahit, le salaud ! Sauf que... Oh, le salopard, il nous a trahi, eh. C'est la même chose, MMORPG, action RPG. Au final, ça vient toujours au même, hein. T'as toujours un stuff qui vont synergiser avec des compétences et qui vont être plus ou moins puissantes. Les MMORPG, c'est ni plus ni moins des action RPG en online, hein. Du moment que t'as un RPG dedans, t'as une notion de point de talent, de prise de level avec des encore peut-être de plusieurs parfois de plusieurs talents et de stuff, ça revient toujours plus ou moins au même. Il y a des nuances, hein, et surtout des possibilités de profondeur plus poussées dans Dungeon & Dragons Slash, mais globalement on revient à la même chose. Mais peut-être, et ça j'y sens mes chances, Midra, mais peut-être aussi que dans les MMORPG t'as jamais cherché vraiment la grosse performance. Je sais que t'es un joueur de FF14. FF14, c'est un peu à part pour le coup. Au niveau du stuff, en tout cas, il n'y a pas trop la partie stuffing. Enfin, il y a, mais elle est pas. Elle est moins aléatoire. Ce qui est bien d'ailleurs. Là où je veux en venir, c'est que. Dans. Point d'exclamation, planning, Fufu. Tout est dans le planning. Il suffit juste d'aller voir. Je sais pas, tu vois, ce que tu faisais comme raid dans FF ou dans d'autres jeux. Mais globalement, bah, quand tu, par exemple, commences à taper sur, je sais pas moi, du raid mythique d'en haut ou autre, bah, t'as besoin logiquement d'avoir le skill dans le contrôle du personnage, dans l'option du perso, dans le talent, dans le stuff, etc. quoi. T'as déjà besoin d'avoir cet outil, en fait. Mais effectivement, dans FF14, pour le coup, le stuff est moins central, entre guillemets. C'est une récompense, mais c'est pas la récompense. Tout ton pote sur du stuff dans FF. Dans WoW, tout tourne autour du stuff d'une manière ou d'une autre. Dans New World aussi, par exemple. Dans New World, d'ailleurs, il y a cet aspect avec un slash aussi. Et c'est vrai que New World aide beaucoup parce qu'il a le même rapport au stuff avec ce qu'on appelle les affixes et les substats. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une stat principale, genre l'intensité, par exemple, merde. En tout cas, là, c'est genre c'est le DPS et ensuite, t'as ce qu'on appelle les substats. Donc en gros, les sous-stats. Et c'est vrai que New World marche de la même manière. Il en a moins, mais il a ce côté aussi à un slash avec beaucoup d'autres. Et merci, Uyoku, pour le follow. Bienvenue à toi, Uyoku. Ils ont enlevé tout le monde. On les a enchaînés et conduits jusqu'à la mort. Je refuse de les abandonner aux horreurs de la triade. Ok, sympa, bonne ambiance. Uyoku, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Ok, c'est tout au nord, on va aller prendre l'autre quête aussi. J'ai encore quelques Lilith aussi à faire. Il me reste combien? Attendez, il me reste 12 Lilith, donc 120 points, ok. Quand je serai à 480, je finirai par des Lilith.
Mes vidéos tuto, elles sont pas là pour t'aider à comprendre les... Enfin, elles sont là pour t'aider à comprendre le jeu. Pour les builds, c'est vrai que c'est mieux passer... Enfin, c'est une plus un apprentissage à faire soi-même. Et à lire. Lire et encore lire. Écoutez, il y a une relique dans un de ses pots. Mon patron, Rakan, m'a montré ce sort. Pas d'incantation. Chercher la relique dans les bassins ardents. Oh, j'ai pas vu le TP là-bas, tiens. Hirokobashi. Ce n'est pas ça. J'irai refaire un autre gros donjon après. Là j'ai fait un coin, un 33 c'est ça je crois. On va essayer, on va taper plus haut. On va essayer les 30... les 35-40. Ce n'est pas ça. Parce que côté des pièges j'étais vraiment large pour l'instant. Et de toute façon la survie ça change pas grand chose, je le fais one shot. Si c'est faire one shot par un truc ou par un autre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, bah c'est quoi alors banane? Ce n'est pas ça, tu veux pas me dire ce que c'est plutôt que de me dire que c'est pas ça? Ce n'est pas ça. C'est bon. Étrange. Ok. On se TP. Ok. Alors, hop. Mais ouais, FF16, j'en ai expliqué, je vous ai mis un petit post d'ailleurs. Et c'était vraiment pas urgent le Discord. Hein. J'ai mis un petit post dans la partie screenshot. Pour expliquer pourquoi d'ailleurs, je déconseille hein, de façon à tout streamer hein, de streamer par exemple FF16, notamment la FF hein, Day One. En prenant l'exemple de Kofi, bon, il fait bien ce qu'il veut Kofi, hein, mais vraiment en termes de stats, c'est détruire sa chaîne hein, de streamer FF Day One. Je l'ai. Même pour les très gros streamers. Et non, c'est pas une question avant de tout, de talent ou je ne sais quoi. Non. Je ne l'ai quand même pas. Si les premiers streamers World n'y arrivent pas, c'est que personne peut. Peu importe. Savez-vous vraiment ce que vous avez retrouvé? Une vraie saleté. Gorge. Soit les plus gros, les plus tirs. On est tous égaux vis-à-vis de ça. Si vous voulez. Ok. N'hésitez pas à aller voir hein, dans les faits. Dans... Sur la partie screenshot du Discord. Entre je deux spams de Kamset. Mais le chasseur que j'ai envoyé n'est pas revenu. Qu'il soit mort ou simplement retenu. À vrai dire, oui. Pas de soucis, Fufu. J'ai entendu parler. Ce type était un vrai boucher. Et il aurait transmis à sa fille après la mort de Kalioun et pressentant le caveau a été pillé maintes fois. Ok. Alors Choupette, si non Niara, tu enfin il a pas fait long jeu, t'as raison, mais t'as tort. C'est vrai que c'est pas du tout à cause de la qualité du jeu. On en parlera juste un temps après. On va aller par exemple chez Tibalt. Quand tu vas donc sur le sub Choupette, donc toi tu vas tu fais se réabonner, ok. Et sauf que là il faut que tu voilà, booster votre abonnement. Tu cliques sur booster votre abonnement et là tu peux choisir niveau 2, niveau 3. C'est juste qu'en gros le jeu pour le coup est très bien, Niara. Mon seul problème c'est la latence. Je suis sur un serveur asiat, je dois avoir entre 400 et 500 ms. C'était très désagréable. C'était jouable mais pas jouable de manière agréable. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une place sur les serveurs américains, il y a quasiment pas de latence là-bas. Je retourne sur la bêta tarifante. Mais je pense pas qu'il y aura, je sais pas si on aura aujourd'hui ou demain, je verrai. J'essaierai de me faire un perso au pire demain matin. On verra ça. C'était loin d'être désirable et très intriguant quand même comme jeu. En dehors du plagiat totalement assumé de World of Warcraft, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça peut donner justement un jeu qui reprend ça, mais avec un bon, une bonne gestion des raids. Et même du l'évolution de personnage et tout, à voir. Je trouvais ça très rigolo qu'une autre boîte que Blizzard fasse un jeu qui est comme WoW mais mieux qu'eux. Il y aura une certaine ironie qui me déplaît pas là-dedans. Je dis pas que ça sera le cas, hein. Je dis juste que ça sera très rigolo.
ont... Bah ouais, c'était initialement ce qui partait un peu comme une vaste blague, en mode les Tauren, enfin les Tauren, je ne sais quoi, Jaina, tout le bordel. Je vous dis, moi, à partir du moment où j'ai vu le gameplay, enfin où j'ai pu jouer, bah c'était... Et j'ai surtout pu voir un peu le tuto. Le tuto vend pas mal de rêves, hein. Peut-être que le jeu sera pas à la hauteur, on verra, mais... Le tuto et tout te met une belle mise en scène, une belle caméra éloignée. Je suis très intrigué. Hein. Bah voilà. Simplement foutu, donc on le fera sûrement mi-août. Il est possible que je le repousse, hein. Mi-août, c'est logiquement, mais s'il y a quoi que ce soit, la saison 1 de Diablo qui est décalée, ou je croule sous les jeux, ou je sais pas, j'ai trop de trucs, vous voyez. Pour moi, c'est pas pressé comme ça. Là. Ça fait partie des jeux, maintenant qu'ils sont sortis, il sera que de mieux en mieux dans le futur. Donc c'est vraiment pas pressé du tout. Là. J'ai pas du tout de... Moi j'ai pas de ce problème de entre guillemets de volonté à me retenir de le faire ou pas quoi. Je sais que quand je vais le faire je vais passer un bon moment comme avec FF15 comme avec les autres. Mes résultats ça presse pas quoi. FF15 je l'ai fait 7 ans après la sortie hein, donc 2015 FF15 c'est ça je crois. Et je l'ai fait l'année dernière hein. Donc pour vous dire à quel point j'ai beau adorer FF, je suis pas du tout pressé en fait. Trouver le chasseur de reliques porté disparu. Ah bah je le cherche hein, mais Attendez, non mais là c'est les bracelets. Ah putain. Là c'est les bracelets que je dois trouver là. Il y a deux bracelets à choper. Quel enfer. Mais quel enfer. Dans les restes non? Ah bracelet. Ah oui, ok d'accord. Le premier il a fini en barbecue. Ok, cool, top. Tout marche bien la tête. Ouais, le niveau 15 c'est pas mal, hein. C'est pour ça que moi j'essaie de me concentrer dessus aussi, mais t'as... GG à toi. 2-15 en plus, c'est que t'as dû en bouffer du genre de cauchemar, putain. Ça a fait un bon gros up hein, quand ça prend les stats. Oh, il est stylé lui. Quand ça prend les stats et tout bonus, c'est loin d'être dégueulasse, hein, clairement. Putain, ils sont où les cadavres hein. Sinon, dans ce jeu, on passe notre vie à chercher les cadavres. C'est magnifique. Ah, peut-être ici. Ouais, bingo. Passion, cadavre. Ah, donjon aussi. Impeccable. Je pomme que ça du Nightmare, d'accord, ah ouais t'es chaud. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Du tier 30, ok. Parce que c'est quoi, c'est le plus rentable en termes d'XP, c'est ça? T'as trouvé évidemment, c'est opti. Parce que logiquement tu l'as pas remonté plus haut, non? Parce que là même moi, alors que je suis pas très bon, hein, je suis 34. Ouais, c'est ça, ok. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'a fait arrêter Diablo 3 pour le coup. Ça me. J'arrive vraiment pas à m'intéresser à l'opti là-dessus. Dans le sens où. Tu vois, Diablo 3, je spammais les en 2 minutes 30, donc les failles 90, donc qui étaient le max. Enfin, les max, c'est de. Pour avoir l'XP, etc. Je l'ai fait 2 jours, j'ai arrêté le jeu. Après. La saison 28. J'adore la saison 28, hein, mais ça me... Je préfère toujours, en fait, monter et galérer. Hein. Avait promis un futur sans souffrance. Après la mort de mes parents, la femme de tenaille et le ventre. J'ai rejoint la triade afin d'assurer notre avenir, notre bonheur. Hélas, à mon retour, je ne trouve que cendre et désespoir.
Je m'apprête à aller les retrouver, à offrir mon corps au bassin, comme l'ont fait nos ancêtres. Ah ! Ah ! Avant de mourir, oh non ! J'espère ressentir ne serait-ce qu'une fraction des souffrances que j'ai pu causer. Elle s'est fait dissoudre dans l'acide. Leur chemin jusqu'ici. Ah ! Pour que je puisse vous étreindre à nouveau dans les plaines de l'au-delà. C'est elle. Ok. Hardcore les quêtes, hein. Hardcore. Très bien. Plutôt violent. Bon, bah, elle devait vraiment en avoir gros sur la patate, la madame. Hein. C'est chaud, hein. Elle devait vraiment en avoir très gros. Non, mais c'est nul, ça, en fait. Attendez. Non, mais c'est nul, ça. Non. Pourquoi je vais par là, moi? Je veux pas aller par là, moi. Je veux aller là, je veux aller prendre... Ah, c'était pour prendre ça. Ouais, mais non, je vais passer par là. Je vais faire tac. Tac, ouais. Je sais pas ce que je prendrai ensuite, on verra. Et... Ah, il y a un élite là-bas. Bonjour. Bah. Cœur de glace. Mais il est tellement glacé qu'il est coincé dans un... What the fuck? T'es beurré le meuf. What? N'importe Nawek. Ok, alors. Détruisez sceau sacré. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la quête du donjon. Quête du donjon, là, c'est laquelle déjà, ça? Récupérez le fendoir au caveau des murmures. C'est là où je suis, non? Okay. Quelque part là-dedans, il y a un fendoir. Bon. Je vais alterner avec un petit... donjon de cauchemar aussi, de temps à autre, quand même, continuer de monter. On va essayer des 30... Là, j'ai rentré un 34, on va essayer de monter plus haut. Y'a des gens qui font la HF ou pas, Diablo, là? Dans le chat, je veux dire. Je sais qu'il y en a en général, mais parmi vous... Ouais. Et si oui, est-ce que vous approchez... Parce que le 100%, il est quand même tendu, hein. À cause des trucs extrêmes, il est quand même très très tendu. Hein. Genre le PVP en extrême, quoi, l'enfer. Putain, l'enfer. Oh, je suis toujours deck de mon unique de merde, là, que j'ai eu. Salut vol. Qu'un petit astuce que j'ai vu. Quand vous êtes full, mettez vos gemmes dans votre inventaire. Qu'est-ce qui se passera dans le pire des cas? Bah en fait, comme vous allez le vendre, soit vous vendez avec vos gemmes, pas de soucis. Soit au pire, vous le désez, vous récupérez votre gemme. Ah oui, t'es chaud, Crowax. Ça va tranquillou, écoute vol. On a découvert... Tarisland aujourd'hui, pas longtemps, mais c'était pas mal. Faut juste que j'attends que ce soit jouable sur le serveur US. Un MMORPG qui est un like, hein. Très très like. Merde, je suis revenu au début, j'ai pas vu. 4 PO, la gemme perso, je laisse par terre, à part les derniers tiers. Ah ouais, mais c'est juste que en fait, ça me demande trop de temps de réfléchir à ce que je loot ou pas, tu vois. Ah mais je suis d'accord que les gemmes ça pue, hein, c'est chiant, non, mais c'est juste pour libérer la place. Mais alors pour le coup, ça, ils en ont conscience, je passe à suivi. À la saison 2, les gemmes sont considérées comme des matériaux, plus besoin de les looter. Elles seront automatiquement, tu vois, dans les matériaux ici. Hein. Ça va changer la vie, ça, pour l'inventaire. En termes de quality of life, ça va... Oh là là. Ça c'est très excitant, ça.
Parce que c'est un fléau actuellement ces putains de trucs. Vivement que ça change. Ah, la quête. Très bien. Ok. Ah putain, évidemment. Massacrer suivant l'adversaire. Next. Next. GG Ulius. GG. Ouais, allez, le renom. Et quand vous avez bien tous les sanctuaires de l'élite, hein, quel plaisir. ...24 points de Paragon en plus, hein. Ça, ça fait plaisir. Hein. Ça fait très 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 plaisir. Sérieusement? Okay. Non mais y'a que du sacré quoi, JPP. JPP. Foutu sacré quoi, je ferme que du sacré moi.